faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. C'est en présence de M. Sidibé Lamine, député de Saint-Franc-Commune et Cointin-Flan sous-préfecture, parrain de cette journée de mérite et d'excellence, et des autorités préfectorales qu'a lieu cette journée de distinction des meilleurs élèves, enseignants et directeurs d'école. Une journée qui est à sa première édition et qui a été voulue par Madame la directrice de l'inspection de l'enseignement primaire, Mme Aoutou. Pour participer, mesdames et messieurs, à cette messe de l'éducation nationale, messe qui met en relief une valeur cardinale, l'excellence. Oui, l'excellence au niveau de l'école dans notre département, messe voulue par une dame, Madame Kouassi Néaoutou Founan-Pauline, inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Saint-Franc. Il a bien voulu que vous le représentiez à cette cérémonie. Il nous honore donc en vous permettant d'être là. En initiant la journée du mérite et de l'excellence, la communauté éducative de l'IEP de Saint-Franc a voulu s'inscrire dans la logique de Mme Candia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a bien voulu placer cette année scolaire 2019-2020 sous le signe de l'excellence, transcrit dans le thème suivant: enseignant compétent, performant et engagé, assurance une école de qualité.
Par cette cérémonie, nous avons voulu encourager les enseignants, les apprenants et promouvoir l'image de marque de la circonscription. La journée du mérite de l'excellence à l'IEP de Saint-Fra me paraît opportune et chargée de sens, car en dépit des réalités et des difficultés du terrain, et malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, les enseignants et les élèves n'ont pas baissé les bras. Ils sont restés fermes au travail. Je saisis cette occasion pour les féliciter publiquement. Bravo et merci à vous, chers enseignants et chers élèves. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, conscient de ce que les différentes performances ne pouvant passer inaperçues, nous avons pris l'initiative d'honorer les meilleurs acteurs au cours de la présente cérémonie. C'est une façon de reconnaître certes le mérite des uns et des autres, mais aussi de tirer vers le haut les acteurs qui seraient encore marqués par le sceau de la nonchalance pédagogique. Nous avons foi en ce que cette initiative sera bénéfique à tous et singulièrement à nos élèves. Nous comptons pérenniser cette cérémonie avec cette devise « Rigueur, travail, excellence ». Oui, à l'IEP de Saint-Fra, si nous travaillons avec rigueur, l'excellence nous ouvrira ses portes. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour célébrer le mérite et l'excellence à l'occasion de cette importante cérémonie qui constitue, de mon point de vue, un important événement dans le secteur de l'éducation. Car il s'agit de fêter les enseignants qui se sont investis de manière exceptionnelle à la cause de l'éducation nationale afin d'offrir à la nation, de façon générale, mais en particulier, offrir à ses collègues son exemplarité, sa conscience professionnelle et son humanisme. L'enseignant est, vous serez d'accord avec moi, la clé de voûte de notre système éducatif dans son rôle de guide de la moralité, de la société, de promoteur des valeurs sociales et d'acteur de développement. L'organisation périodique de cette journée du mérite et de l'excellence sera une réponse pertinente à l'impératif de remobiliser et de sublimer l'enseignant, élément déterminant dans la construction d'un système éducatif performant. Cette journée viendra bonifier toutes les initiatives engagées pour fonder une école de qualité, de l'équité et de l'égalité apte à garantir à chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, la chance de réaliser ses rêves. Car au-delà des réalisations des infrastructures scolaires, c'est la qualité de l'enseignant qui fera toujours la différence. En effet, agir sur l'enfant, matière vivante et pensante, nécessite une compétence à toute épreuve, un sens élevé des responsabilités et un comportement irréprochable. Chers enseignants, distingués invités, cette journée me donne l'occasion de témoigner ma reconnaissance aux enseignants de toutes les époques pour le précieux service rendu à la nation. Elle nous permet, cette cérémonie donc, nous permet de rendre hommage aux enseignants d'exception, mais surtout de resplendir la fonction d'enseignant dans nos sociétés
et de lui rendre toute sa noblesse en gommant la fausse image d'un secteur éducatif toujours sujet à des perturbations. Chers collègues, vous devez prendre mes propos ci-dessus comme une exhortation à persévérer dans la voie de l'excellence pour maintenir au haut le flambeau légué par nos illustres divanciers, mais surtout servir de modèle aux générations actuelles et futures. Quelques années, monsieur le député. Première, Traoré Rokia, 960. Martinet, c'est une dame, une demoiselle. Elle a obtenu 18,49 sur 20 en moyenne. Deuxième, Ouedraogo Amidou de l'EPP Bémiafla. Et troisième, Twambi Chan Stéphane de l'EPP Uafla 2. Ouriega Sephora Corneille Priscilla. Ça va? Ok. Après les élèves, les apprenants, tout à l'heure nous allons passer. Félicitations administratives, doublées de la fonction pédagogique. Le doyen que vous êtes, lorsque on a dit votre nom, tout le monde à l'applaudimètre a acquiescé. Donc c'est la légitimité, il n'y a pas eu de combine, vous êtes effectivement le meilleur directeur parmi les meilleurs directeurs. Félicitations à vous, doyen. Merci. Vous annoncez à juste titre une ligne de démarcation, une rupture avec des pratiques que nous qualifions d'orthodoxes. Et ces pratiques-là sont celles qui sont en liaison avec la facilité, la corruption, le favoritisme, la paresse, l'inconscience professionnelle. En clair, vous nous invitez au travail bien fait. Par ricochet, vous voulez que nous soyons des modèles. Vous voulez que votre circonscription soit une circonscription de référence, une circonscription dotée d'enseignants rompus, chevronnés, pétris de connaissances et débordants d'esprit d'initiative. Madame l'inspecteur, nous ne sommes pas surpris que vous ayez décidé d'organiser une telle journée. Nous comptons le pérenniser cette cérémonie comme je l'avais souligné la dernière fois dans mon discours. Nous comptons pérenniser la cérémonie et surtout insister sur notre devise. Rigueur, travail, excellence. Donc un message donc à tous les enseignants de l'IEP de Saint-Fra. À tous les enseignants de l'IEP de Saint-Fra, je leur dis merci. Merci infiniment, merci. Si la fête a été, c'est grâce à vous. Je leur dis merci. Et en même temps, je suis la patronne, mais sûrement que tout n'a pas été parfait. On leur demande d'être patient. Nous allons corriger beaucoup de choses. Merci à eux tous. Merci au comité d'organisation. Merci à tous ceux qui, depuis pratiquement 3 jours, ne dorment pas. Merci aussi à l'AIS, qui a été d'un grand apport. Quand je suis arrivée à l'IEP de Saint-Fra et que j'ai fait quelques tours dans les écoles, j'ai vu qu'il y avait un certain laxisme qui s'était installé. Donc, j'ai voulu vraiment réveiller un peu l'orgueil des enseignants en instaurant cette manifestation pour que chacun de son côté veuille bien être le meilleur. Et en partie,
ce qui a suscité cette cérémonie. Vous pensez l'étendre à plusieurs années encore? Si Dieu le veut, nous le ferons. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.